il y a des équipements, il y a le parc Chanot, le palais des sports, on a ce qu'il faut pour mettre, pour pouvoir recevoir le public. Et vous irez vous faire vacciner, Samia? C'est ça. Mais ma personne, elle compte pas. C'est pas aussi pour montrer l'exemple. Non, mais arrêtez de parler d'exemple. Vous savez, mon exemple, moi, mon travail d'élu, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent le faire puissent le faire dans de bonnes conditions. Non, mais vous aviez dit que vous ne vouliez pas vous faire vacciner, Samia Ghali. Oui, mais je le fais pas, j'assume. Hein. J'ai le droit de dire quand même. Parce que maintenant, on est devenu dans un pays où on peut plus dire ce qu'on a le droit de faire. Non, mais c'est bizarre. Vous ne le faites pas parce que vous estimez que vous n'êtes pas prioritaire ou parce que ça vous fait peur? Non, mais parce que j'ai pas envie de le faire. C'est pas d'abord. Non, mais parce que pas envie pourquoi? Non, mais pas envie pourquoi, Madame Ghali? Parce que j'ai pas envie de pousser les gens à suivre ce que je vais dire. Voilà, moi c'est mon choix personnel. C'est bizarre. Non, mais c'est bizarre. Parce que vous êtes responsable politique. Vous demandez à ce qu'on mette le paquet sur la vaccination à Marseille, mais vous dites vous-même. Non, c'est vous qui me dites. Attendez. Moi je dis juste que oui. Quand vous savez, je veux dire une chose. Moi, je suis pour la liberté de tout à chacun du moment que je. Non, mais bien sûr. Voilà. C'est la liberté. Non, j'essaie de comprendre votre raisonnement. C'est tout, Samia. Vous allez comprendre, il est très simple. Pas sûr. À titre personnel, non, si, il est très simple, je vous assure. À titre personnel, voilà, j'ai pas envie de me faire vacciner parce que j'ai pas confiance pour l'instant au vaccin. Voilà, à l'heure où on se parle. Maintenant, je dis que pour ceux qui le souhaitent, on doit mettre en place des vaccins. Pour qu'ils puissent le faire. Et d'accord. C'est à peu près normal. Voilà, et c'est pas parce que. Et bon, je dirais qu'à la limite, ma personne, elle compte pas là-dedans. Voilà. Ah, vous êtes adjointe au maire quand même. Oui, non, même à personne. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le problème, c'est pas. Mais c'est difficile de dire aux gens, allez vous faire vacciner au stade Vélodrome. Et moi, j'irai pas parce que j'ai pas confiance. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit aux gens, allez vous faire vacciner. Je dis que je vais mettre en place. Ceux qui veulent le faire. Oui, oui. Pour ceux qui le souhaitent. D'accord. Il y a un Français sur deux qui veut, un Français sur deux qui ne veut pas. Eh ben, ceux qui veulent, ceux qui veulent se faire vacciner, ils doivent pouvoir le faire. C'est tout. C'est la liberté de tout à chacun. Mais à un moment, faut arrêter d'être honnête. J'ai l'impression qu'on est dans un pays de diktats maintenant. Si on n'est pas comme bah oui, ça, il y a un diktat. C'est le Covid. Il y a un diktat du Covid. Oui, ça, c'est vrai. Ça fait un an. Vous savez, après, il y a des gestes barrières qui font que. Bah, la preuve que non, puisqu'à Marseille, le virus circule. J'ai des parents âgés, et croyez-moi, je fais ce qu'il faut pour les protéger. Oui, mais enfin, on dit ça, mais finalement, tout le monde, personne n'est à l'abri. Merci, Madame Ghali. Merci d'avoir été avec nous, Samia Ghali. Je vous en prie. Merci. C'est quand même très étonnant d'entendre un élu, et on aime beaucoup Samia Ghali dans les grandes gueules, dire à la fois, il faut vacciner en priorité Marseille, mais moi, j'irai pas me faire vacciner, j'ai pas confiance.